Je commence à travailler dans une petite entreprise. Je commence à travailler dans une petite usine monde, comment dire, Ristervoit, qui appartenait pour une équipe française. Mon cas, je m'en servi le mot tristesse cette année, surtout le secteur informel. C'est un jour, j'ai fait le travail, mon père a nous compte que cette année-là, il y a beaucoup de monde qui perd du travail. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment spécial. Ne pas tourner au chemin, mais nous tourner, confiner dans la case. Mais malheureusement, il y a aussi pas de monde qui perd du travail. Pour ça, nous allons vous c'est moi qui vous comprendre que tout travailler, les gars, pareil. Pour moi, tout ce que je veux de la vie. Je commence à travailler dans une petite entreprise. Je commence à travailler dans une petite usine monde, comment dire, Ristervoit, qui appartenait pour une équipe française. Et seulement après la longue, comme on grandit, après l'école, je me termine ça, je rentre à la compagnie à Mauritius, comme je me dis. Peut-être moi, c'était non. Mais là, je commence à faire 26 ans, puis je dans la compagnie. Mais faire du travail, c'est quelque chose, ça fait un rappel. À l'époque, tu commences à travailler. À l'époque, tu te souviens qu'ils ont 10 jours, à tant qu'ils nous ont la terre, ils me demandent 20 personnes toujours qu'ils soient capables de penser à travailler, c'est essentiel. Parce que si un monde pas travail, c'est un monde qui pas chose. Rien à faire. Pour avoir des tours, il faut travailler. C'est ça mon opinion personnelle pour moi. Ils me donnent 20 personnes courage, ils jamais été découragés dans la vie. Malgré les difficultés qu'il va rencontrer, mais toujours garde la tête haute. Un tel travail, c'est bien, rien ne répond aussi. Vous êtes ici pour un jour, vous êtes fait sa fête là. Mais je suis bien content de la routine. Parce que vous connaissez ça, tu fais un peu. Comment est-ce que là? Tu as une tradition, là tu veux faire ça comme ça. Mais c'est pas tu bon aussi. Parce que trop beaucoup, je suis d'accord beaucoup de gens qui mettent ça là. Mais là, je me trouvais tranquille. Tout passe dans l'aude et tout du monde peut lire pour suivre la messe. Je trouve que c'est fait en famille là. Oui. Moi, je travaille dans l'industrie musicale, dans l'industrie culturelle. Et mon secteur, je l'appelle informel parce qu'ils ne se reconnaître ici dans Maurice. Et c'est très triste. Alors, je dis une bonne fête à tout le monde travailler qui est informel et formel. Pas oublier qui. Mon besoin toi, tu besoin moi, nous besoin nos camarades pour qu'ils nous capables d'avancer. Et pas oublier qu'ils nous tout peut contribuer dans l'économie Maurice. Et pas oublier aussi qu'il y a un virus qui s'appelle COVID-19 qui met nous l'économie à genoux. Alors, ensemble, nous pouvons besoin rebâtir nos jolies îles Maurice. Ensemble, nous pouvons besoin avancer dans la paix, l'amour, le respect, bien sûr. Bonne fête, travail à la nation et sans oublier une pensée spéciale à tout ce qui le font plein, ce qui peut la guerre pour que demain la population soit capable de sortir bien l'aussi. Bonjour tout le Mauricien, je vous souhaite une bonne fête du travail. En ce jour spécial là, et pour intéressant, réponse, le métier des boueurs. C'est un travail bien important parce qu'il permet de gérer tout le déchet qu'il y a dans nos sociétés. Mais il arrive là pour réinventer ce travail-là, dans la façon dont les boueurs collectent les déchets. Par exemple, les déchets verts qui sont ramassés, ils ont collecté les et avouez les dans une place où ils transforment les, pas mélanger ensemble avec tout déchet et de là il y a un gaspillage parce qu'il y a un déchet vert il y a beaucoup de valeur et capable de transformer tout pour faire compost par exemple et qui peut aider dans l'autosuffisance alimentaire. Bonsoir tout, moi c'est Virginie. La fête du travail d'abord elle représente l'anniversaire de mon garçon, 10 ans de cela, moi je mettais Enzo au monde. Et il représente sa date là pour moi. Moi je suis en plein travail, disons, de cela. Après, cette année-ci, il représente. Pourquoi servi le mot tristesse cette année-ci, surtout le secteur informel. C'est aujourd'hui, dans le fait de travail, mon père a nous compte que cette année-là, il y a beaucoup de monde qui perd du travail, ou bien pas pour reprendre travail, des sitôt. Et ça extra attristé moi.
déjà qui me permet de mon amour avec mon mari, nous tous les deux travaillons dans le secteur informel et nous self-employed. Et voilà, c'est synonyme de tristesse. Et aussi, ben, qui me dit mon message à tout le monde qui travaille dans le secteur informel. Ben, moi, j'ai juste bon courage. Nous connaissons tout le travail pour soigner nos familles. YouTube, c'est travail pour une famille et je souhaite que bon Dieu reste, comment dire, de nous courage pour capacité mon ça à faire là, que ça finisse au plus vite pour que ça soit capable de prendre la vie du mieux possible. Bisous, bye bye, bonsoir et bonne fête du travail. À ceux qui peuvent travailler, ben, frontliners, tout ça. Ben, ceux qui ont une relation, c'est dans le travail, puis travail. Gros bisous. Salut, salut. Bonjour à tous. Et moi, c'est Kirsty. Je travaille pour moi-même. Comme contracteur et voilà, nous veux pas ça faire du travail simple. Moi, on connaît un confinement et on prend les simples, on peut manger au lit et nous prenons des croises avec patience et nous persévérer. Et bon Jésus, bonne fête aujourd'hui pour la fête du travail et à plus. Au nom de tout mon camarade dans cet esprit, je tiens à souhaiter une très très bonne fête à toute la classe travailleuse de l'île Maurice. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment spécial, que ne pas tourner au chemin, mais nous tourner confinés dans la case. Mais malheureusement, il y a aussi des gens qui peuvent faire du travail. Ça nous ajoute merci. Covid-19, il nous fait un tout en dedans. Est-ce que quand nous retournons dans le monde du travail, nous pouvons parler comme tout le temps? Ou bien, le fait qu'il nous découvre autant d'inégalités sociales, nous pas besoin de repenser comment nous devons faire pour protéger les gens plus vulnérables. Alors, ensemble avec moi, nous demandons de tout. Nous mettons la main ensemble. Nous faisons en sorte que le gouvernement tâne nous la voix pour qu'il y ait plus de justice sociale dans sa pays. Bonne fête, bonne travail. Et nous allons rentrer même dans la guerre pour ça. Il y a par rapport au 1er mai là. Et ma chance, nous sommes en confinement. Mais on empêche nous de respecter la loi. Bonjour. Aujourd'hui, le 1er mai 2020, fête du travail. Pour moi, il représente le symbole de la solidarité. Parce qu'en tant qu'une travailleuse sociale volontaire au terrain, je me retrouve face à un devoir social pour être mon prochain, pour gagner de quoi survivre pour 3 jours ou une semaine, malgré le pas suffit. Et que nous tous nous confinions ensemble, c'est en solidarité avec les autres qui m'ont resté tracé pour être sa bonne famille dans joindre le debout. Ah, mon ami, tu es égal. Bon, même si vous êtes docteur, si on prend docteur, vous êtes un docteur. Pas mécanicien que vous êtes docteur. Parce que vous dites, quand une banque qui ramasse saleté, vous dites, vous êtes informel, je ne suis pas contre la haine, je suis ici, je ramasse saleté, parce que vous êtes la vie. Vous comprenez? Mais docteur, il n'y a pas de docteur. Je ne suis pas celle qui décore. Si décore, vous êtes décoré, tout le monde. Même ceux qui ramassent saleté, tout le monde décore. C'est moi qui vous comprends que. Tout travailler, les gars, pareil. Tu peux exploser de la vie.